disons que la classe dirigeante française n'a pas d'autre projet que la construction européenne. Et à partir du moment où ce projet prend eau, elle est dans une espèce de désarroi, c'est-à-dire que sa vacuité apparaît de manière évidente. Par ailleurs, le parti extrémiste dirigé par Jean-Marie Le Pen avait comme vocation, en quelque sorte, de servir de repoussoir. Et il était là aussi pour empêcher toute alternative possible, dans la mesure où toutes les questions un peu gênantes étaient campées par un personnage impossible et dans un langage qui était celui des vaincus de 1945, donc discrédité par la même. La situation se détériorant, sa fille a la ressource effectivement d'apparaître comme une alternative presque crédible. Et ça crée une situation qui est sans précédent en fait.